Alors qu'elle officie désormais aux commandes de plusieurs émissions sur les différentes antennes de France Télévisions, Claire Chazal fut la présentatrice titulaire des journaux télévisés du week-end durant de très longues années sur TF1. Si elle a couvert de très nombreux événements sur la première chaîne, elle n'était en revanche pas présente à l'antenne lors de l'annonce de la mort de Lady Diana le 31 août 1997. Directeur de l'information de TF1 à l'époque, Robert Namias a expliqué à Télé Loisirs pour quelles raisons si est-il lui qui avait dû annoncer la mort de la princesse de Galles en direct à la place de la journaliste. Vers 3h, durant cette fameuse nuit, j'ai reçu un premier coup de fil m'alertant d'un accident impliquant la princesse Diana qui s'était produit à l'Alma. Vers 4h30, l'extrême gravité de ses blessures s'avérait. J'ai commencé à mobiliser la rédaction. La règle voulait que le présentateur ou la présentatrice du 13h soit de permanence la nuit, au cas où surviendrait une actualité exceptionnelle. J'ai donné la consigne aux journalistes de veille d'appeler Claire pour la prévenir qu'il était possible qu'on parte très vite en édition spéciale. Entre-temps, pris peut-être d'une intuition, j'ai pris un bain, me suis rasé, je me suis saisi d'une cravate, alors qu'en principe, je ne suis pas à l'antenne. J'habitais non loin de TF1, quelques minutes plus tard, j'étais dans la rédaction, a tout d'abord expliqué Robert Namias. Robert Namias sur la mort de Lady Diana, on a ouvert l'antenne à 6h, c'était une grosse mobilisation. Il fallait faire venir les équipes pour fabriquer le journal, il fallait des gens pour faire du reportage et du commentaire. Les minutes s'égrenaient, mais Claire Chazal restait injoignable. Entre-temps, la première dépêche annonçant le décès de Lady Di était déjà tombée. En tant que directeur de l'info, par délégation de Patrick Leleï et Étienne Moujotte, j'avais autorité pour ouvrir l'antenne. J'ai décidé d'annoncer moi-même la mort de Diana. On a ouvert l'antenne à 6h et on a tenu ainsi en édition spéciale une bonne partie de la journée. Après 5 ou 6 heures de présentation, j'ai fini par passer le relais à Claire Chazal un peu avant son horaire habituel de 13h, a ajouté l'ancien directeur de l'information de TF1.